Allez hop, on sac Sonic. Et on lance Satisfactory. Alors, du coup, on va jouer à Satisfactory. Mais, plot twist. On va y jouer en équipe. Normalement. Tu Si. veux voir ma grosse usine? Alors, dis donc, monsieur. Hein? Il y a des enfants, peut-être. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Mais oui, je veux voir ta grosse usine. Tu veux voir ma grosse production? Est-ce que tu as fait la mise à jour? Je sais pas, j'ai lancé, il m'a dit directement Bonjour. 2 avril, patch note, early access, V0102. Attends, je regarde, je vais en quitter, mais il m'a rien proposé. Ah, Le Epic Game Store, bah, à mon avis, il a dû le mettre à jour automatiquement parce que mise à jour auto, oui. je pense qu'il a. Moi j'ai pas le Epic Game Store qui se lance directement. Donc faut que je le fasse en fait. Mais bon. Donc du coup j'ai fait continuer, donc je pense qu'il lance ma partie solo, on va voir. Je clique, je clique, je clique, c'est pour ça que je joins une Bah non, partie. parce que si c'est ma Pourquoi partie je joins? solo, je vais quitter, voilà. Bah, je sais pas, il m'a dit que je pouvais rejoindre. Ah, Oui, mais mais. ici, il respawn second. Ah oui, c'est parce qu'à mon avis, vu que t'es connecté, du coup, je peux peut-être rejoindre la partie Oui, mais non. de base. Parce que du coup, j'ai ma partie solo, j'ai fait des trucs. Il faut que refactorise mon usine. Parce que c'est trop le bordel là. Alors, du coup, ça, c'est la partie où on était avec Kira. Oh! Il y a toujours ton perso qui est là. Alors, du coup, c'est bon, t'as Initialise rejoint. respawn sequence. Donc, où est-ce qu'on en était avec Kira? Avec Kira, on en était. On avait commencé à refaire du coup une deuxième usine de métal, mais du coup il n'y avait pas assez de courant, je crois. C'est ça. Donc, avec Kira, voilà, on en était à. On dirait Borderland, ouais, c'est une des deux autres maps. Nous on avait commencé sur la première, la map on va dire Vanilla. Et ça c'est une des deux autres maps qu'il y a. Où les contraintes, je crois que c'est. Alors les ressources sont plus proches que sur l'autre map. Et par contre il y a moins de biomasse, donc potentiellement c'est plus compliqué de se fournir en carburant et donc en électricité. Et donc du coup on en était à bah voilà on reconnaît, donc ça c'est des usines, c'est l'usine de béton, et on en était à, on avait les mineurs, on avait les fonderies, les factories, on avait lancer le hub numéro 5. Donc ouais, on en était un palier avant la dernière fois qu'on s'est quitté sur la partie où je joue en solo. Et puis voilà. Et sinon sur ma partie solo, bon de toute façon je la montrerai peut-être dans un autre stream, donc on en parlera à ce moment-là de ce que j'ai fait. Alors. Il faut qu'on livre encore 30 de béton. Attends, j'ai vu l'usine de béton tout à l'heure. Elle est là-bas, je crois. Elle est là. Bah, vas-y, moi je vais livrer le Identique. béton. Bon, on en est à 100. Ah, j'en avais déjà 33 dans mon inventaire en fait. J'aurais pu le livrer direct. Donc, on va livrer ça. Et il nous faut des plaques. Des plaques en fer. Est-ce qu'on a une usine qui fabrique ça? Ah, on en a une, mais elle est en stand-by. Well, fais-moi des plaques. Ça c'est le cuivre, et donc celle-là, ouais, elle fait des plaques. Il nous en faut 150, là je vais en poser 84. Est-ce qu'on n'arrêterait pas le béton pendant 2 secondes et on prendrait du coup le relais sur le... Ah ouais, oui j'allais dire, bah ouais non, c'est pas grave, mais oui, on pourrait arrêter le béton pour économiser l'énergie. Vas-y, tu rallumes de l'autre côté quand c'est bon? Ouais, tu me dis quand c'est bon. Bah là je vais. J'ai déjà rallumé la. C'est quoi cette partie? Bah, cette partie, c'est une partie qu'on a commencé avec Kira hors stream, je sais plus quand.
Et voilà, bah du coup, vu qu'on en est à peu près au même point que là où on s'était arrêté la dernière fois, je me suis dit ça pouvait être cool. Comme ça, on va continuer à découvrir des trucs, mais à deux. Et pour avoir joué un peu en équipe depuis, alors c'est rigolo quand même. En fait, c'est un jeu où, en fait, vu que tu peux assez bien te débrouiller tout seul, le multi pour l'instant, c'est le même jeu mais avec deux personnes, et du coup, c'est moins fou. C'est bon, j'ai éteint Kira. Enfin, c'est moins fou. C'est pas moins bien qu'en solo, mais ça rajoute pas une dimension de ouf. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Kira. Je sais pas si t'as joué en solo. Parce qu'en vrai, tout seul, tu peux faire la même chose, tu vois. D'habitude, les jeux, bah, genre, je pense à des trucs comme Ark et tout ça, tu vois, qu'on soit plein. Ça a un intérêt, mais là. Après, ça reste rigolo, parce que du coup, on peut se répartir les tâches et tout. Je ramasse du bois, des feuilles, tout ça. T'as relancé, du coup? Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est galère. Hein. J'ai pris cette année en pause. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Bah attends, je sais pas, je vais regarder. Alors, truc sympa, je sais plus si on avait vu ça en solo. Oui, Bah il là. s'est remis en stand-by. Là pour l'instant, tu peux l'allumer normalement. Ouais, mais je peux. Il y a un petit délire de merde là. Attends, hop. Là, il sort bien. Ah c'est bon? La Et lui, fonderie, elle est en attente de matériaux. Et lui, il est en attente de matériaux, c'est bon? non, je sais pas, il y a eu un délire de bug. Ah, je sais pas, bah le mineur en fait, il était pas allumé. Ça Ah lui ouais, mais arrive du de coup, j'ai allumé deux fois, à chaque fois. faire des AFK sauvages en stream. Comment ça balance sur toi, Kira? M'en fous! Ça a demandé si tu faisais des AFK sauvages en stream aussi. Ah bah oui. Mais ouais, ok, je vois en fait le délire biomasse en fait, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de trucs, mais tu récupères beaucoup moins de feuilles en fait. Donc du coup, c'est pas la quantité de spawn qui est plus faible, mais la quantité de ce que tu récoltes. Sachant que, voilà. Du coup, sur ma partie solo, j'ai avancé un tout petit peu. Et potentiellement, je pense qu'à un moment, on peut se passer de biomasse. Ça paraissait évident vu le. Voilà, moi, du coup, j'ai. 493 de biomasse. Bah ouais, ça va un peu vite. Je pense. J'ai hâte d'avoir les voitures. Alors à mon avis, c'est pas tout de suite. Enfin, du coup, je sais que c'est pas tout de suite, mais c'est pas dans forcément si longtemps que ça. Hop. Tu m'as dit qu'il manquait combien de plaques parce que là il y en a 60. Bah c'est marqué en haut à droite. T'as Ah oui, bah, j'en ai assez. Bah vas-y, pose-les, et puis du coup là on va pouvoir commencer les choses un peu plus sérieuses. Alors, nouveau bâtiment, tout ça. Je te laisse regarder le hub. Ah oui, on a le truc. À l'intérieur, t'as un truc pour faire des recherches. Building, space elevator, equipment, object scanner, equipment, beacon. Mais je sais pas à quoi ça sert en fait. Pour l'instant, j'ai fait des recherches des fois. Ouais. Attends, je vais mettre des organes extraterrestres dedans. Additional knowledge.
Farming Simulator. Oui et non, parce que mine de rien... Ah non, on peut pas les mettre, les organes. On va mettre des pistaches. What? Eh oh. Ouais, j'avais pas testé, hein. D'habitude, c'est moi qui teste ce genre de choses. Hein. Vous avez... Future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly. Okay. Là, donc la madame là, elle nous dit en gros qu'on a débloqué le puis le l'ascenseur de l'espace là, je sais plus comment il s'appelle, qui est fou. Je l'ai construit, il est trop stylé. Ouais. Alors là. Les séparateurs de convoyeurs et les groupeurs, ça permet, tu sais, de séparer, de grouper des convoyeurs. Des assembleurs. Dans les fondamentaux, t'as le biocarburant. Une tronçonneuse. Qui permet de... d'avoir besoin de moins de biomasse. Donc ça pourrait être sympa si... Attends, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 paliers. Ouais, mais t'es pas obligé de tout prendre, en fait. Et franchement, il y a des trucs... Genre ça par exemple, je pense que c'est pour voyager un peu, mais pour l'instant... Bah c'est ça en fait, t'as un tremplin et du coup t'as le coussin d'atterrissage en gelé, tu fais ouais. Alors je te propose qu'on prenne... Le rotor, fabrication artisanale, la pièce mobile, la moteur. Soit fondamentaux au palier 1, soit logistique. Fondamentaux en fait, le biocarburant c'est bien pratique. Logistique, bon bah voilà. Ou alors assemblage de pièces. Ça débloque l'assembleuse et du coup c'est ce qui permet de faire t'sais, genre les plaques de fer renforcées ou les objets un peu complexes comme ça. Peut-être le biocarburant en temps. Bah je sais pas trop, on a déjà débloqué là. Ah oui, le brûleur de biomasse, on peut en reconstruire un pour avoir tout qui fonctionne en même temps. C'est comme tu veux. Moi je te suis, parce que du coup je t'ai conseillé, mais là je pense qu'il nous faut un autre brûleur en tout cas. Bon, je vais le construire du coup, le deuxième. Enfin le troisième du coup. Pour. Un quoi? Un brûleur de biomasse. Ah bah moi je... C'est bon, j'en ai fait un. Enfin, cela dit, on peut en faire deux, hein. Parce que je pense qu'on va... Ouais, après, où est-ce que je vais le mettre? Bah viens ici. Regarde. Là où j'ai mis le mien. Je pense que ça peut être intéressant de les coller comme ça pour les remplir. On n'a pas à se claquer un voyage. Alors... Tic-tic-tic-tic-tic... Tu me dis quand t'as... Mais juste là. Enfin non, en fait. Enfin, c'est pas que je veux pas que tu me dises, mais... Voilà. Je vais aller rallumer... Je sais pas pourquoi je marche sur le... Non, mais je marche sur le tapis roulant, du coup je vais moins vite que... enfin, sur le tapis roulant. Dans le sens inverse. Donc, du coup, je vais moins vite que prévu. Hop. Hop. Je rallume. Voilà, et donc dans ce sens-là, par contre, c'est mieux. Donc. Bah là, du coup, on a de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait une mine de fer? Ou pas? Ouais, mais on a un troisième, une troisième mine juste à côté. Alors c'est vraiment le... Est-ce qu'on fait ça en attendant, quoi? T'as choisi le palier qu'on allait prendre ou pas? Non, j'ai pas choisi, je suis parti chercher un peu de feuilles. Ok, bah tu veux qu'on prenne quoi? Pas comme tu veux, moi je me suis dit que le biocaméron ça peut être pas mal, mais après
C'est plus utile. Bah c'est... Ouais, ils sont tous bien. Après, l'assemblage, ça peut être bien parce que du coup, si on a la... En fait, ce qu'il nous faut vraiment, de toute façon, c'est la logistique et l'assemblage pour pouvoir craft l'ascenseur orbital. Parce que l'ascenseur orbital... Ah non, il n'y a pas besoin de l'assemblage en fait, c'est juste béton, plaque de fer, tige de fer et fil, hein. Donc à la limite, on passe une des deux usines de fer sur des tiges. C'est bon, je viens d'en passer une sur les tiges. Et puis après, bah on... Là, du coup, je vais reconnecter mon truc de biomasse, moi, pour tout les remettre en rajouter du coup à nouveau. Lui, il est plein. Bah écoute, je te propose qu'on fasse du biocarburant. Parce que là, effectivement, c'est que des trucs simples pour construire l'ascenseur. Donc à la limite... Allez, on dit biocarburant. Allez. Bah du coup, je balance tout ce que j'ai déjà. Tige de fer. Et c'est tout. Voilà. Si on va, voilà. Hein. J'allais chercher le béton. Il est où? Ah oui, il est derrière. Chaque fois, j'oublie où est-ce qu'elle est l'usine. Hop, soit. Ah ben non, il n'y a pas besoin pour ça. C'est pour l'ascenseur qu'il en faut. Bon, c'est pas grave. Cela dit, ouais, on a un conteneur de stockage. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est. Bah non, on peut pas, puisqu'on n'a pas pris la. On n'a pas pris la. Les décupleurs là et tout ça. Parce que ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on aura les. Les séparateurs et les groupeurs, c'est en fait de faire un entrepôt de stockage à la fin de la chaîne. Comme ça, du coup, les trucs ils seront jamais pleins. Ça va direct dans l'entrepôt qui est super grand. Et du coup, on peut les laisser tourner pendant qu'on fait autre chose, qu'on peut explorer ou quoi. Ouais, oui. Enfin, moi, je sais pas si l'exploration ça a un grand intérêt dans le jeu, mais. Ouais, bah ça doit être assez balèze. Ouais, je pense qu'il y a de quoi s'amuser entre se dire oh, tiens, on va explorer là, et puis en fait, on va tomber sur des bébêtes un peu space et. Ouais, ou d'autres. D'autres spawns de ressources et tout. Le cuivre, on est déjà. On produit déjà trop de cuivre par rapport à ce qu'on fait de fil. En fait, si tu regardes le cuivre, il avance un par un dans la machine parce que c'est à 100 le minerai de cuivre. En même temps, Et le fer ici aussi. vu la chaîne que t'as fait, le temps que ça arrive, une fois que c'est plein, bah, du coup, t'en as une qui rentre, une qui rentre, une qui rentre, une qui rentre. Ah, mais ça, c'est en fait parce que le constructeur il va moins vite que la forge. Calcaire là, il met un peu de temps à pareil avancer. Vous risquez pas d'être dérangé niveau espace, les usines sont presque collées au HUD actuellement. Alors complètement, mais on va se débrouiller pour faire passer les convoyeurs belt comme ça, faire le tour. Et puis voilà. On va. Parce qu'en vrai, l'avantage dans le jeu, quoi. C'est que si bon, j'ai pas de plaque, mais si je fais passer le truc comme ça, hop, puis qu'il arrive derrière, voilà, ça change pas grand-chose à part que ouais, il y a un petit
petit peu de chemin à parcourir en plus pour l'objet, mais c'est pas beaucoup plus lent tout ça, donc ça va. Après, c'est vrai que c'est pas très optimisé au niveau de l'espace de d'avoir le truc directement dans le domaine. Pour l'instant, ça pose pas de problème. On verra, voilà, tout casser, tout refaire. Exactement, c'est sûrement ce qui va arriver à un moment de toute façon. Parce que ça, par exemple, ou ça, c'est Bad Mojo. Puis ça aussi, pareil. Parce qu'en fait, que ce qui peut être sympa à faire, Kira, et en fait, une fois qu'on aura les coupleurs et découpleurs de tapis, là, je sais plus comment ça s'appelle, on pourra les mettre direct derrière la fonderie et du coup envoyer les ressources dans trois usines différentes, dans trois constructeurs différents, enfin ou deux, mais et du coup pas une seule source de fer pourra faire des barres de fer et des plaques. Ou alors deux fois des barres de fer, mais envoyées dans un truc différent après, quoi. Et du coup, la source de... Enfin, la fonderie et la mine, elles tourneront à pleine puissance. Il faut des barres, là, c'est ça. Hop, il y en a 22 là-dedans. Est-ce qu'on switcherait pas la deuxième usine? Niveau minerai de fer, on n'a pas l'air d'en avoir. C'est quoi cette bestiole? Ah, c'est le truc qu'ils ont montré. Hein. La bestiole qui est ultra craintive. Il n'y a pas là, la bestiole. Ah, tu peux les caresser les bestioles, c'est cool. Ah bon? Et là, je crois qu'on est allé chercher. Ah non, c'est le fer là. Le lézard. Ah non. Tu peux le caresser, quoi. Ah non, pas eux. Ah, les moustiques là, ils sont trop chauds, quoi. Hop, 24 barres ici et c'est bon, on va avoir passé le palier. Tu veux lancer la capsule? Vas-y, viens lancer la capsule, Kira. T'es où? Ah, bah, je regardais la piste. Ah, tu fais de la botanie? Ah non, pas de la botanique, du... sont mutantes les mouches, mais ouais, c'est des mouches de l'enfer. Hein. Attends, on est un peu dans le désert de l'enfer, là. C'était un peu dangereux, ce coin. Regarde. Elle décolle. Sors, regarde. C'est encore plus cancer que dans la vraie vie, ouais. Additionally, you can now build the space elevator, which is integral to your contribution to project assembly. Et voilà. Et il revient dans 2 minutes 30. Et dans 2 minutes 30, on pourra lancer un autre truc. Et là maintenant on peut construire du biocarburant. Donc on va vider les... On va vider les générateurs.
pour. Il sert à quoi l'ascenseur orbital? L'ascenseur orbital, il sert à. Bah en fait, c'est un peu la même chose que là, que les paliers que tu as sur le petit ordinateur là. C'est-à-dire bah, un certain nombre de trucs à livrer. Sauf qu'en fait, c'est des trucs vachement plus compliqués à faire et vachement plus longs à faire aussi. Enfin, c'est voilà. Bah, là par exemple, le plus compliqué qu'on ait à faire dans les paliers, ça va être. Je sais même pas si on a déjà du. Ouais, là voilà. On a 10 plaques de fer renforcées à livrer. Et en fait, les trucs qu'on livre avec l'ascenseur orbital, c'est. Des trucs que tu fabriques avec des plaques de fer renforcées. C'est du endgame. Pas forcément. En fait, là par exemple, on a les deux premiers paliers, mais on est bloqué parce que on n'a pas construit l'ascenseur orbital. Et pour avoir le palier 3 et 4, il nous faudra la phase 1 de l'ascenseur orbital. Donc il faut le construire et faire la première livraison. Pour la 5-6, pareil, mais pour la phase 2 et phase 3, voilà. Sachant que le palier 3 et 4, il y a des trucs vraiment chambés dedans. Donc. Je te propose qu'on débloque. Enfin, qu'on construise l'ascenseur. Et qu'après, on débloque l'assembleuse. Pour pouvoir construire les trucs, justement. Milestone exchange concluded. Ouais. Fix it freighter re-entry complete. Quoique non, avant ça il va nous falloir le séparateur et le groupeur. Hein. Ouais, allez, on prend le séparateur et le groupeur pour l'instant. Ok, 500, 200 et 200. Ah oui, quel con. J'ai pas construit le biocarburant, du coup tout est à l'arrêt là. Ah oui, si je l'ai fait. Ah oui, mais je les ai pas remis dans le. Dans les trucs. Hop. C'est bon, j'ai relancé tout. J'ai construit mais pas placé. Du style véhicule. Du style véhicule quoi? Je me souviens plus de quoi je. Il manque des tiges de fer. Bobine de cuivre, on en est où? Oh bon. Je pense qu'on va être large. Bah pas tant que ça, mais là j'en ai placé 408 déjà quoi. Ouais, c'est cool. Et une fois qu'on aura ça, je te propose qu'on pète certains trucs, genre les constructeurs. Qu'on les déplace plus loin. Ouais, qu'on les déplace plus loin et puis surtout qu'on. Qu'on puisse avoir une zone là, par rapport à ce qui est là, qu'on puisse exploiter. Bah, et puis qu'on mette deux constructeurs par source de minerais. Pas de soucis. Je suis pas sûr que ça produise assez de minerais pour alimenter deux constructeurs à toute balle. Mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est que ça. Ça produira plus que un seul constructeur qui bloque la chaîne toutes les 3 secondes. Hein. C'est ça. Bon après dans les cas comme le béton, je sais pas si ça vaut le coup. Ah ouais, faut penser à le.
Bah, tu sais quoi, au moins pour le béton, je vais faire un conteneur de stockage. Il faut 10 plaques et 10 tiges. Parce que sinon le béton on va se retrouver à... Attends, il me faut des plaques et des tiges, je prends pas tout. Ou pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon j'ai du métal sur moi, je vais les crafter à la main, ça va aller plus vite en vrai. J'en ai remis là des tiges dans Non, une non, mais petite prends-les. Prends-les, en fait ça va plus vite à les faire à la main pour un nombre aussi... aussi petit. Donc le béton, c'est là. Donc hop, le conteneur, on le tourne. Ouais, il y a une source de fer ici, donc on va essayer de pas tout bloquer. Ah, quoique, on peut. Est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Ouais, on peut. Et oui, c'est possible. Attends, hop. Par contre, ça faudrait que ça soit un peu plus pratique à faire. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, s'il y a un système de... Ah, il y a peut-être pas la place. Il y a un système de snap pour les... Pour les convoyeurs, tout ça, donc... Snap, snap. Bah, pff, attends, je vais faire un convoyeur. Tu vois, c'est ça, en fait. Là, je peux pas construire un convoyeur ici, mais dès que je peux, tu vois, il se colle comme ça. Et en fait, c'est du coup, voilà. C'est ça le snap. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity and efficiency Ah of the yes. factory. Ça y est. Productivity display Bah will attends. productivity of individual buildings to aid with optimization. Ça va plus vite à la main même. Ouais. Mais Moi, bon. aussi. Bon, bah là, il y en a 99, il y en a 99, bah tu débloques la chaîne et puis tu lui fais la mort. Voilà, bon bah du coup le béton là on a plus à s'en occuper avant. Avant un très long moment. Ça va remplir un conteneur de 4, 8, 800, 1600, 2400. On aura 2400 béton avant que ce soit plein. Ok, alors du coup on a les trucs là. Ah, les séparateurs et les groupeurs. Ouais, bah oui, c'est ça. L'idée, l'idée de Marlout, elle est. Il faudrait que ça soit comme ça. Je te propose qu'on commence par une des deux usines qui fabrique des trucs en métal. Je la démantèle. Je vais te montrer un peu ce à quoi je pense. Ah merde, j'ai plus de béton du coup. Attends, je reviens, je reviens. Bon, j'en prends 100, voilà. Depuis que je suis arrivé sur cette planète, j'ai pris du poids. Il faut que je cours sur le tapis. Qui est bête. Donc du coup, ce que je proposais, on va direct partir plus loin avec le convoyeur. Genre on va le faire partir par là, tu vois. Hop. Et alors, du coup, ce que je proposais, c'est qu'on fasse. C'est Quoi ça? tellement pas pratique ce truc. Attends. Ah ouais, mais. Je vais pas dire, mais dans RK, c'est collé, hein, direct. Bon, allez, hop. Voilà. Et ensuite. Ah, du coup, tu vas en faire un qui part par là et puis l'autre qui part dans l'autre sens. Bon, ils peuvent tous partir dans le même sens, hein, en vrai. C'est juste.
On fait deux constructeurs et du coup on... Ah merde, c'est pas du tout là que je voulais le faire. Le machin il m'a mis une ligne bleue, j'ai fait ouais, vas-y, ok, ça a l'air cool. Voilà. Trop coûteux. Ah merde, j'ai plus assez de plaques de fer. Et en gros, il y en a un. Enfin, ils peuvent même tous les deux faire des plaques, mais je crois pas. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est une plaque et une tige de fer par usine. Enfin, par source de fer. Parce qu'en fait, les plaques pour les crafts, ça coûte plus, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça de. Pas assez de fil électrique. Ah, bon, je prends tout et puis. Est-ce que du coup tu veux que je fasse le deuxième constructeur? Bah, soit le deuxième constructeur, soit au pire tu fais la même, mais du côté du cuivre, par exemple. Tu vois, tu casses la machine, tu fais passer la conveyor belt à peu près ici, quoi, dans ce coin-là. Puis du coup, on part sur la plaine là, hyper dégagée en face. Hop. La plaine hyper dégagée en face, ok, donc Voilà où on est en train d'aller avec. Logistique, du coup il faut faire des convoyeurs, c'est ça. Ouais. Ah, c'est trop coûteux, yep, j'ai pas de plaques, je vais faire des plaques. Alors attends, là je fabrique des plaques et là je vais fabriquer du coup. Ah merde, quel con, j'ai fait une fonderie. Ah. Ça marche pas très pareil, hein. Alors qu'est-ce qu'il me faut pour faire le constructeur? Bon, l'ascenseur pour l'instant. Ah, c'est des plaques de fer renforcées et du câble. Bon, allez, c'est parti. On va faire du câble. Et ah, les plaques de fer renforcées. Ah, apparemment, il me faut que des vis. On va voir. Par là, ça te va? J'ai pas vu, mais oui, voilà, très bien, très bien, pas trop loin non plus, parce que si on a besoin un moment de. C'est le séparateur. Bah, ça sépare les convois, quoi, bêtement. Et du coup, je pense qu'en fait, on essaie de les faire pas trop loin, tu vois, toutes les trucs de construction. Et comme ça, à la fin, on fait un groupeur qui récupère tout ce qui a été construit et qui le fout dans un conteneur. Pour l'instant. Parce qu'après, j'imagine qu'on voudra construire des trucs peut-être plus complexes, mais pour l'instant, je pense que ça peut être une bonne idée de partir sur un délire comme ça. J'essaie de les coller un peu pour que ça soit. Plus pratique. Voilà. Et donc lui, il fait des tiges. Alors on a déplaqué des tiges. Et ça a l'air de. Ah, ça construit en continu quand même, hein. Donc. Niveau des lingots. Ouais. Donc là clairement on gagne. Limite je me tâte à en faire un troisième, tu vois. Tellement ça. Ça montre bien le fait que tu puisses entièrement récupérer les ressources quand tu demandes quelque chose. Ouais, je suis assez d'accord. Bah ça faisait la même dans Subnautica. Alors je sais pas si c'est les mêmes mecs qui l'ont fait. Si c'est vraiment la même team ou pas.
Mais en tout cas, les deux jeux se ressemblent, je trouve, sur plein de points, notamment la DA qui est un peu. Puis le côté, bah, tu vois, genre, on a juste un espèce de taser, mais pas de gros gun, tout. Enfin, c'est beaucoup plus pépouze, quoi. Et donc, ouais, je pense que les deux. Et donc, du Subnautica, ça faisait pareil. On pouvait récupérer les. Tout ce qu'on avait craft, parce que le pareil Subnautica, c'est un des survival comme ça où je me suis dit, waouh, mais en fait, ce style de jeu ne contient pas que du farm, c'est fou. Ça a l'air d'être chaud au niveau de la production des plaques de fer. Si tu mets un troisième constructeur, ça risque de pas suivre. Bah, je sais pas, hein, parce que regarde, là ça se stack, et là aussi un peu. Hein. Alors après, effectivement, peut-être qu'un troisième constructeur, ça provoquerait le truc. Mais en fait, on gagne plus à ce que les usines attendent les matériaux plutôt que l'inverse. Parce que sinon, du coup, il y a des moments où on produit plus rien. En fait, il y a des moments où vraiment, il n'y a rien qui sort de l'usine, il n'y a rien qui rentre. Dans le. Enfin, il n'y a rien qui sort de la mine, il n'y a rien qui rentre dans l'usine. Donc. Puis ça. On le saura pas si on le fait pas. Donc, je suis. Voilà, qu'est-ce que t'as fait? Bah. L'idéal, ça aurait été que, en fait, toutes les sorties pointent vers le même sens. Il y en a une qui va de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, de toute façon, mais. Fuck la logique. Bah non mais c'est parce que du coup si on veut tout pouvoir tout regrouper à un moment, tu veux genre mettre dans un conteneur ou autre. Après ce qu'il y a de bien, c'est que la partie béton, théoriquement on n'aura pas à le faire parce que. Ou en tout cas pas pour l'instant. Parce que le béton, je sais que. Il n'y a pas de. Quoi qu'on pourrait faire deux constructeurs de béton. Deux usines et à la limite, ça pourrait être intéressant de faire une deuxième usine de béton sur la même source et de tout mettre quand même dans le conteneur, mais en vrai, je suis trop saucé par l'idée de tester de le faire avec le métal. Je vais faire ça. Je sais que Marla n'est pas d'accord, mais je suis. Je suis un rebelle. Ah, mais en vrai, j'ai envie de savoir. Ah, l'établi est occupé. On n'avait pas fait un deuxième établi? Si, mais c'est le plus proche. Non, mais en fait, c'est pas grave. Ah oui, il est là. Plaque de fer renforcée et hop, voilà. On va tester de faire trois constructeurs sur la même source de minerai. Sachant que on n'empiète pas sur le terrain du voisin. Oh. Là, par contre, je viens de penser niveau énergie. Je sais pas si on est très bon. Alors, on va voir ce qui se passe. Ah, il y a moyen que ce soit plus rentable de faire comme ça. Parce que effectivement, les plaques de fer, ça baisse. Ça baisse, ouais. Du coup, on va plus produire. Là, pour l'instant, on est à 82% d'efficacité sur les tiges. Là, on est à 79. Et là, on est à 47, 45.
Bon, en gros, on va baisser à peu près autant que ça pour les plaques. Donc 40% d'efficacité pour les plaques au lieu de 77. Enfin 80. Ouais, 30 en fait. Donc pourquoi j'ai plus d'électricité? Ah, il n'y a plus d'électricité nulle part! Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Ah, ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce que t'as fait, Kira? T'as cassé. Moi, j'ai rien fait, moi. Ah, pourquoi il n'y a plus d'électricité? Hein? J'ai coupé un câble. Bah, bravo! Le mec, plus de biocarburant. Bah, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, ah, ça se trouve, on a plus de carburant. On est en panne. Mais, quand même pas à ce point. On en avait farm pas mal tout à l'heure, donc ça m'aurait étonné. Il y a une cuve là-bas, puis là il y a un petit peu de point lumineux. Ah non, C'est une autre planète. Il faut T'es en un route. vaisseau, on va y aller. Allez, vite. Suis pas sûr que ce soit le sujet. Alors par contre, les tiges de fer, ça va, non? Je sais pas, ça me dit 100% de production. Ouais, mais non, en fait, c'est parce que. Attends, 7, 6. 7, Oh, je vais faire 6. stockage individuel ou on passe au panier du direct avec les rotors, les récepteurs, Ouais, non, c'est pareil. et les cannes modulaires. Ouais, bon, maintenant on sait. Deux, c'est bien, hein, Kira. Ouais. Tu me disais, ouais, faut en mettre trois et tout, mais non, deux, c'est J'ai mieux. jamais dit qu'il fallait en mettre 3. Je sais, c'est moi qui disais que je voulais Non, je disais tester du coup, avec trois. on part sur quoi comme amélioration après? Les deux transformeuse transforme deux pièces pour en créer une nouvelle. Le rotor et le cadre modulaire ou Je on fait pense des que paliers en fait? l'idéal là ce serait de faire d'abord l'ascenseur puis le palier 2. Parce qu'en fait, pour le premier palier de l'ascenseur, il va nous falloir des trucs dont le palier 2 nous donnera. Enfin, où le palier 2 nous donnera accès. Mais si on part sur le palier 2 maintenant. Enfin, ouais, si on part sur le palier 2 maintenant, je pense qu'on. Il y a un constructeur qui tourne plus du tout là. Ah bon? Où ça? Ah ouais, celui-là. Ouais, bah il est plein. Il est plein. Bah de toute façon, c'est le prochain qui passe à la moulinette de la refactorisation. Je vais le faire passer par là, puis je vais le. Ah, je vais le mettre. Ici. Je vais les mettre ici, les deux constructeurs. Ah, je peux pas les mettre les deux ici. Dommage. Moi, je vais en mettre un là et l'autre à côté. Parce que j'en ai rien à foutre. Je suis un dingue. Alors, par contre, ça. Ah, c'est bon. On l'a déjà vidé. Allez. Tente tout en haut, non? Ouais. On va rester. Alors, hop. Ensuite, logistique séparateur de convoyeur. On va le mettre comme ça.
J'ai vu le trait bleu là qui a pop et des pop. Voilà, et ensuite. Alors, du coup, plaque de fer pour lui. Et le deuxième, on va remettre à côté aussi. Tige de fer. Et maintenant, du courant. Attends, je sais où je vais mettre le poteau. Voilà. Ah, j'ai plus assez de câbles. Hop. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as branché un nouveau truc? Non, moi j'étais parti chercher du béton. Qu'est-ce qui se passe? Y a un truc qui a été débranché. J'ai rien touché, je promets là, c'est pas. Bah, c'est bizarre parce qu'en fait on ouais, dire ouais puis en fait il nous dit qu'on a une capacité de 20 mégawatts. Ah par contre là c'est peut-être ouais voilà on a plus d'essence sur au moins ah ouais une deuxième et on a plus non plus. Ah, on en a plus nulle part. Ah fluc. J'ai de quoi craft un tout petit peu de trucs, mais vraiment genre un truc ridicule quoi. Genre ils vont en avoir même pas un de chaque. Je vais chercher des feuilles. Ouais, bah je vais... Du coup je vais relancer avec un seul de chaque dans les trucs. Alors ça retourne, mais je sais pas pour combien de temps. Hein. En fait, on en a un qui sert à rien, hein, des trucs quoi. Ah bon bah. Ça a pas tourné très longtemps. Ça sert à quoi les pétales de fer? Merde. C'est l'inverse que je voulais faire. Je ramène quasiment 500 feuilles. Donc Yop. 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 Du coup, c'est pour faire de la biomasse. Ah, t'as biomasse bois et t'as biomasse feuille. Ouais. Ouais, et ce qui est dommage, parce que du coup, j'ai testé de faire une usine
pour faire la bio, pour mettre de la biomasse dedans. Ouais. Et en fait, ça. Bah, tu peux soit mettre les feuilles, soit le bois dans l'usine. Donc, du coup, bah, Ouais, t'es mais un du coup, peu. ça te fait des biocarburants quand même les deux. Donc, Ah, ça te fait de la biomasse, ouais. Enfin, oui, ouais. Ça te fait de la. Ça fait la même biomasse, en fait. La feuille et la. La. Bois. C'est exactement la même chose, mais. La recette est pas la même, quoi. Et du coup, tu peux faire du biocarburant avec les deux aussi. bon, du coup, là, il y en a 206 en biocarburant. Ok. Je fais un petit tour de ce qu'on construit là, voir si potentiellement on a assez de matériaux pour. Et hop, je jette trois feuilles. Voilà. Qu'on a assez de béton, ça c'est sûr. Du coup, il y aura 6 biocarburants qui traînent. D'accord. Je vais rechercher de la feuille à la limite. Ça a coupé. What? Tu les as tous rechargés ou t'en as rechargé que deux? Ah merde, on est rechargé que C'est pour ça. C'est pour ça. Alors du coup. Attends, hop. On va Ouais, pas mais ce par que là je voulais quoi. faire c'était ça. Ouais, c'est un minerai de cuivre. Je sais pas quoi en faire. Mais. Enfin si je sais quoi en faire. Mais. Vas-y, je vais faire ça parce que ça me saoule. C'est vrai, j'ai oublié qu'on en avait 4. Voilà, je vais faire ça. Minerai de cuivre, hop. Bon, tout est reparti. Ouais. Ok. Alors, Du coup, il y en a 50, 50 devant les 4. du coup, un truc que je savais pas, que je connaissais pas. Oh, je vais mettre à la poubelle le minerai. Maintenant, on s'en branle, on en a. Il vient tout seul. Donc, Alors, truc que je je vais ne rechercher des feuilles. Je sais pas si savais c'est bon. pas. C'est que tu peux comment dire, tu peux remettre du minerai dans la foreuse directement et comme ça pourquoi il reçoit pas assez de lingots lui, c'est bizarre. Ah mais c'est parce qu'il y a dû avoir un creux dans la production. Du coup, ça a dû faire un problème. Mais là, c'est bon, Ah, ça quand revient. même, vers moi. On va avoir un petit problème. Non, mais ouais, du coup, c'est en flux tendu. Donc, ça, ok, ça, ok. Je récupère des plaques de fer. Les tiges, on n'en a pas encore assez, mais. On a quasiment de quoi faire l'ascenseur. Ouais. Ouais, j'ai pas regardé les fils électriques, mais je pense qu'on est. On est un peu short encore. Il y avait une des usines que t'as pas allumée, je sais pas pourquoi. Ah, pas fait gaffe. Du coup, on avait du cuivre en suspens. Bon, je vais déposer des trucs là-dedans parce que. C'est quoi ça? Du bois, vas-y. On va mettre ça, des vis. Lingots de fer, du calcaire. Voilà. Est-ce qu'on aurait un autre filon de cuivre? Parce que finalement, si on pouvait. Lui, il est efficace à 100% au moins. Ça, c'est cool. Filon de cuivre. Non, ouais, c'est le seul.
Ah, il y en a un autre, mais il est à 250 mètres, donc. Et l'autre à 831 mètres. Donc non, c'est beurre. Alors, donc. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je crois qu'on aura de quoi faire pendant une période, non? Ouais. Parce que là, je ramène 1500 de feuilles et puis 500 de bois, donc. Attends, hop. Bah moi du coup je vais faire un autre conteneur avec les deux usines de cuivre et ouais, je vais faire ça. Du coup, hormis la fabrication, est-ce qu'il y a un petit côté aventure sur ce jeu du style des donjons des grottes? Pour l'instant, j'ai pas vu ça. Donc, je sais pas. Je pense pas. Enfin. Peut-être un petit truc d'exploration, mais. Je Il y pense. en a. Y en a? Comment tu sais? Il y a de l'exploration et puis il y a des espèces de petits des petites fights un peu bizarres. Toi, t'es allé te spoil sur l'internet. Oui. Ah, bravo. Du coup, oui, je vais faire ça. Espace insuffisant. Bon. Du coup, je sais pas si t'as vu où est-ce que. C'est ce que j'ai fait. Attends, je suis en train de redéposer toute la merde que j'ai en trop là. En gros, là, pour l'instant, on a deux conteneurs qui se remplissent avec les matières premières en continu. Cette production usinesque de fils électriques. Ben oui, c'est vraiment. Voilà, on est là pour produire, on est là pour faire du pognon. Non, mais Ah, le fil électrique, ça se craft trop vite. En vrai. D'ailleurs, je me dis, ça pourrait être une bonne idée de faire un deuxième constructeur pour faire les câbles. Vas-y, je suis chaud. Je vais faire un deuxième constructeur à la suite. Comme ça, on aura des câbles aussi. Comme d'ailleurs, les fils électriques, je suis pas sûr qu'on. On en a besoin d'autant. est-ce que 950 de biocarburant, ça va te suffire? De biocarburant ou de biomasse? Biocarburant. Ça va suffire pendant un petit moment, ouais, je pense. Ça on va être un petit peu tranquille. Après, ça part vite, hein, ouais. Mais. Ouais, non, mais c'est pour ça, du coup, je vais rechercher plein de mes feuilles. Je me suis dit, bon, on y va une fois, il y en a 4 qui tournent en tout temps, du coup, tu peux en mettre 100. Après, on n'est pas extrêmement loin de. Les forêts et tout, donc ça va vite. Oui, puis de. De notre. Autonomie face au biocarburant, je pense. Alors, on va avoir une usine de câbles. Parce que même si pour l'instant les fils électriques, on est encore. Mais encore pas tout à fait autonome. Ça. Enfin, pas autonome. On n'en produit pas encore trop. Ça va venir vite, je pense. Donc voilà. Là, on produit du câble aussi.
Alors, du coup, oula, c'est plein tout ça. Alors ça, 50%, ça, 100%, ça, 50%, et ça, 100%. Ouais, donc c'est bien ce que j'avais remarqué. Les usines de barres en métal produisent beaucoup plus... Enfin, c'est logique, elles ont besoin d'un minerai, quoi. Et ouais, du coup, on a bien fait de faire comme ça. Ça, du coup, il nous reste 276. Ça produit à 100%. Ça produit à 100%. Et ça produit à 100%. Là, niveau, on est pas mal. Hein. On est bien. Je fais une petite pause, je reviens. Adieu, adieu. Bah, de toute façon, là, par s'assurer que ça tourne. Hop. Alors, allez regarder le béton, où est-ce qu'on en est. Ah oui, je l'ai vidé il y a pas longtemps. J'étais bêtement en train de me dire que on produisait pas plus. Est-ce qu'on fait une deuxième usine? Bon, non, le temps qu'on... J'ai des cousins qui recherchent une quantité astronomique de fibres de cuivre comme ça. Eh bien écoute, dis-leur d'aller sur... On n'a pas le nom de la planète, non? Mais voilà. T'as de la chance qu'ils sont pas déjà venus. Les voleurs de fils de cuivre... Bon bah, comme qui dirait, ça tourne tout seul. Apparemment on a fait le plein de carburant, enfin Kira a fait le plein de carburant. Donc voilà, est-ce qu'on se refait une petite pause, hein? Ça fait 1h14 qu'on stream là, hein? Bon ouais, allez. Non mais puis bon, un acquis est un acquis, c'est syndical, on y a droit. Bah les camarades, on va pas se laisser faire. Hein. On va vous faire une grève. Y'a rien à comprendre. Non mais voilà, du coup on va faire la pause. Il faut stream non-stop, voyons. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Non, quand même pas. Quand même pas. Hein. Pas les couilles, hein. Non mais on va aller. On va aller faire une petite pause. Une petite pause et on fait des pauses. Voilà, voilà. Donc je vous dis dans 5 minutes. A tout de suite. Alors. Alors, est-ce que Kira est revenu? Allô, allô? Non, pas de retour du Kira. C'est pas grave. On va couper la musique. Alors, check. On va aller regarder où est-ce qu'on en est niveau fil électrique. On a encore un peu de just. Voilà. On vide ce truc-là. Donc du coup ouais, le problème c'est que les comment ça s'appelle déjà les groupeurs et séparateurs voilà. Les groupeurs bah, ça ralentit vachement le flux et donc là du coup ça par exemple qui
qui débite du fil de cuivre à la chaîne, ça a tendance à pas avancer assez vite, quoi. Mais bon, on est quand même dans un truc plutôt sympa. Bon, lui, ouais, c'est voilà, on est autour des 50% pour ça et 100% pour les barres. Hop, voilà. Du coup, on produit quand même beaucoup plus de barres, alors que c'est pas forcément le truc de tige plutôt. Alors que c'est pas forcément le truc dont on va avoir le plus de besoin. On verra après comment ça se débrouille. Alors, les fils électriques. Hop, on va continuer à se servir à la source. Voilà. On va récolter tout au fur et à mesure. On va faire ça, puis on reste. On va tapoter eux pour tout ramasser quand ça arrive. Alors, hop, allez, plus que, ouais, un petit peu moins de 200, hop, et ensuite on pourra construire l'ascenseur orbital. L'ascenseur orbital, je sais pas où est-ce qu'on va le construire d'ailleurs, parce qu'il faut de la place, mais j'ai pas envie qu'on le fasse là, parce que sinon on va niquer notre, on va gâcher notre espace. On pourrait le faire plus par là, à la limite. Genre là, ici. Possible. Trop coûteux, oui, mais voilà, trop coûteux ici, c'est bien. On le fait comme ça, avec les trois entrées tournées vers notre zone de production, comme ça, si jamais à un moment on se décide à le brancher directement, on aura de quoi. Ça peut être une bonne idée. Même si pour l'instant notre zone de production elle part plutôt dans cette direction là. Mais bon. On verra bien. Déjà pour l'instant. Alors, hop, fil électrique. Allez. C'est bientôt bon. On part dans la bonne direction. C'est quand même dommage qu'on ait pas une autre source de cuivre plus proche, parce que et je me pose la question, qu'est-ce que ça fait si celui-là on le... Oh, j'avais pas vu qu'il stockait autant. Ah ouais, donc limite on pourrait même diviser encore ça par deux. Et lui envoyer que la moitié à lui, quoi. Il lui en faut 30 par minute. Et lui, il en produit... Ah bah, il en produit 45. Ok, à la limite, ouais, on pourrait diviser au voleur de cul. Mmh.
Bon, pour l'instant, c'est pas grave. On a assez pour construire l'ascenseur. Alors, je sais pas si Kira est dans les parages. Je vais essayer de le pouic. J'ai quand même envie de l'attendre pour construire ça. Après, si elle revient pas tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est re-switch sur cette magnifique partie solo. Où on est un peu plus loin, mais où c'est. Non, car tu es moche. Ah bah bravo! Bravo! Où est-ce que t'es? On t'en cul. Je t'ai vu en plus. Je t'ai vu passer. Bon. Non, je suis caché. T'es là, je te vois. Non. Tiens. Ah eh, dommage tout, hein. Tu arrêtes. Bon, on construit le machin pour faire le chose. Vas-y. Regarde, tu vois, c'est trop beau. Ouais, c'est énorme. On me l'a dit souvent en plus. Alors, attends. Là-bas, il y a des tempêtes et des orages. Là-bas. Ça va demander combien en électricité, ce truc. Eh, c'est ça qui est bien. Nada. Même comment c'est trop beau, t'as les fils de cuivre qui s'envolent de mon inventaire et qui explosent. Mais oui. Oh, c'est magnifique. Et voilà. C'est peut-être un peu surdimensionné par rapport à ce à quoi ça sert. Oh, regarde ce qui arrive. C'est magnifique. C'est pour ça aussi, je pense que c'est les mecs qui ont fait Subnautica, c'est ça. Subnautica, ouais. Parce que vraiment les animations comme ça, ça leur ressemble pas mal. Faudrait que je regarde en fait, hein, je dois pouvoir se trouver comme info. Et ça sert à quoi? Ça sert à, bah regarde, quand tu lui parles, ce que ça fait. Voilà, c'est ça qu'il faut lui fournir pour débloquer le palier 3 et 4. Ok, mais concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi concrètement? Bah, débloquer les paliers différents. Parce que là, sinon, on est bloqué au palier 1 et 2 et on n'aura jamais de nouvelles choses. Ok, et c'est aussi con pour ça. Ouais, bon allez, maintenant faut qu'on fasse ça. Parce que sinon on peut pas craft les trucs que demande l'ascenseur. Mais je pense qu'on a déjà de quoi craft ça. Plaque de fer renforcée et des rotors, ok. Alors on a peut-être pas les plaques de... Ah si, mais si. Je suis con, hop. Ouais non, les bobines de cuivre on les a peut-être pas, mais... Ça se fait avec le... En fait là va falloir qu'on craft des... Comment ça s'appelle déjà? Ah bah non, on les a pas encore. C'est justement le palier qu'on va débloquer là. Il manque des blocs. T'as des blocs? On est 11. Va. Oui, il manque 50 donc. Là c'est des lingots et. Ah ouais, d'accord. Des... J'ai du mal cliquer parce que. Je pense que j'ai voulu les prendre mais que. Mon inventaire était plein. Voilà. Hop.
Je lance la capsule. Je veux partir dans l'espace, j'en ai marre de faire des petites machines qui font bip et bop. S'il vous plaît. Regardez, il y a des dégâts de chute là-dessus. Ouais. Ouais, mais c'est... C'est minime. Bah surtout, faut sauter très très haut, quoi. Vraiment, faut se... Ouais, parce que déjà je saute de haut. Alors, donc, c'est là, que ça va devenir compliqué, la vie. On a une assembleuse qui coûte, bon déjà elle coûte des matériaux trop relous. 5 minutes avant qu'elle revienne la capsule. Ouais mais t'inquiète, est-ce que tu le vois la liste de tâches là à droite? Non. Non c'était... Je me suis dit ça se trouve c'est lié mais non. Donc l'assembleuse c'est... En gros ça permet de craft les trucs genre les rotors, tout ça machin, mais on continue. Parce que pour faire des rotors, il faut par exemple... je sais plus pour les rotors, tiens. Ah oui, il faut des tiges de fer et des vis. Pour les cadres modulaires, il faut des plaques de fer renforcées et des tiges de fer. Et en gros, bah ça va nous permettre de faire des... ce genre de trucs. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse un truc qui fait des plaques de fer renforcées et un qui fasse. Oh putain, je sais pas. Là, je sais pas. Les plaques de fer renforcées, il faut des plaques et des vis. Donc ça, à la limite, ici, ça peut servir à faire des plaques de fer renforcées. Ça va être lent, parce qu'on n'a pas assez de trucs, mais ça peut. Et après, on peut se servir de... C'est quoi l'autre ? Des vis et... Ah, je sais plus. Bah, je crois que c'est des vis et des plaques de fer renforcées en fait. Pour les cadres. Ah non, et des tiges de fer. Et les rotors, c'est des tiges de fer et des vis. Ah, les rotors en fait, à la limite, c'est plutôt simple. On peut les faire directement. Bah d'ailleurs, on peut pas les faire dans un constructeur les rotors. Ah bah non, il faut deux trucs, mais ouais. Du coup les rotors on peut les automatiser déjà parce qu'il faut des tiges de fer et des vis. Donc à la limite on prend ici les tiges de fer là. Ouais voilà on peut faire ça. On peut faire ça. On prend les tiges de fer ici. On les divise en deux. Comme ça du coup il y a une partie qui va directement dans le constructeur, l'autre on la transforme en vis. Enfin, dans l'assembleuse, l'autre la transforme en vis avec un constructeur. Et du coup, comme ça, on a direct des rotors. Qu'est-ce que t'en penses? On tente de faire ça? T'as pas écouté? T'es AFK? Bon, ouais, ceux qui se posaient la question, est-ce qu'il fait des AFK sauvages en stream? Oui. Ah non, il a pas AFK, il a coupé son micro, je pense. J'avais coupé le micro. Mais voilà. Et oui, j'ai entendu du coup faire un rotor avec un côté les vis, un côté les plaques et un côté les tiges. Ouais, bah déjà, vas-y, moi j'allais fabriquer un truc et on va regarder ce que ça peut donner. Donc il nous faut, c'est un constructeur et une assembleuse. 12 câbles. Ah ouais, il nous faut des cadres modulaires et des rotors, quoi.
cadre modulaire, il faut quoi? Plaque de fer renforcée. Tiens, pourquoi j'ai dû me dire, réponse pas. Ça me va très bien. Ok, et d'où ce câble? Donc les câbles, on en craft. Là, donc normalement, on devrait en avoir là-dedans. Ouais. Ok. Alors. En retour, il faut ça et il faut du débit. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire, enfin si, mais pas pour l'instant. Alors. Logistique, séparateur de convoyeurs, voilà. Putain la vache. Ah, je pue assez de béton, et c'est à l'autre bout de la planète le béton. Béton. Ça craft, c'est bien. Pardon. Alors, production. Constructeur ici. Qui lui va faire des vis. Ah, pareil, j'étais en train de prendre à faire. Et une assembleuse ici. Attends, je peux essayer de plaque. Qui. Elle va craft. Alors attends, c'est rotor. Hop. Ouais, j'en ai 25, 30. De quoi, des rotors? Ah, mais tu les fais à la main? Ouais. Moi je fais une usine. Je vais faire. Hop. Enfin, après, c'est vrai que. C'est pas une mauvaise idée de le faire à la main pour l'instant, mais c'est plus si on lance la production, tu sais, automatique. Bah au bout d'un moment, on va se dire... il nous faut 40 rotors, ah bah c'est bon, ils sont là, quoi. De fer en hop. Toi qui a coupé un pylône ou... Non, j'ai rien touché. Il y a déjà plus de trucs. Là, il en reste 122. Ah ouais, ah il s'est coupé lui. Ah, il saute. Qu'est-ce qui se passe? 123.
Non, mais c'est regarde, la consommation, elle excède la capacité. Ouais. Tu regardes le graphique, hein. Bah, du coup, faut reconstruire un Un générateur. brûleur. Ah oui, un générateur. Bah, je sais pas si t'as quoi le faire sur toi. Moi, j'ai de quoi, non, pas tout à fait. Du coup, un brûleur de biomasse, non, je t'ai pas ça. Bah, j'arrive. Il me manque juste un petit truc que je vais récupérer de ce pas. Ici. Voilà. C'est bizarre, du coup, tous les tapis ils sont vides. Tu sais, ils continuent à avancer jusqu'au prochain machin, quoi. Est-ce que. T'as du carburant? Oui. Eh bien, viens en mettre dedans. Ici. Et après, tu réactionnes le disjoncteur. Et c'est bon. C'est retombé. Est-ce que c'est retombé vraiment? C'est bizarre en Bizarre. fait. Ça. Parce que là ça tourne, tout tourne. Ouais. Non, mais c'est ça tourne quoi. Mais c'est juste. En fait, la consommation, je pensais, tu sais, que c'était vraiment genre à partir du moment où un bâtiment est allumé, il consomme, point. Et peut-être pas en fait. Il se pourrait que ce soit. Vraiment, genre juste si le bâtiment il crafte rien, ben il crafte rien. Par contre, ouais, chaque coupure, ça nous fait perdre à mort du temps, ouais. T'as combien de routeurs sur toi, toi? Pour l'instant, bah, moi j'en ai zéro sur moi, mais je crois qu'il y a le premier que. Ah non, il y en a trois là-haut. Et quatre dans quelques secondes. Parce que du coup, là manque 10 et il faut encore 40 ou 50 plaques de fer renforcé. C'est juste des plaques de fer renforcé qu'il faut? Ouais. Franchement, ça te dit pas, on fait la. Une nouvelle ligne de fer? Parce que comme ça on pourra avoir directement on fabrique genre des plaques et des Des rotors. ouais attends je check un truc parce que je me dis est-ce que ce serait encore plus fou que ce que je pense c'est où elles sont là les vis ouais. Deux par minute et ça en fait 90 par minute. Ah ouais, non, bon, bah on va refaire une ligne de métal direct. Ah, je sais où on peut la faire passer en plus. Oh, ça va être trop beau! Vraiment, c'est magnifique. Tu vois où elle est la dernière mine de métal ou pas? Ah, attends. Voilà. Le fait que les conteneurs soient stockés, ça fait que si le Elle est là. premier est vide, les ressources suivantes sont redirigées vers le second. Je vais Ok, balancer, mais c'est j'espère. vrai que la régie s'éclate. Oui, j'ai vu que la régie s'éclatait. Alors, toi, Kira. Du coup, Marla, non. Les conteneurs, s'ils sont stackés, ça change rien en fait. C'est juste question de gain de place. Par contre, si tu mets une.
une conveyor belt entre deux conteneurs, eh bien en fait, à chaque fois que le premier reçoit un objet, il l'envoie au deuxième. Ce qui fait qu'une fois que le deuxième est plein, c'est le premier qui se remplit. Donc voilà, du coup, ce que je voulais faire, moi, Kira, t'es parti où? Voilà, bah viens. Mais non, où tu vas? Reviens. Et du métal là, non? Non, c'est pas du métal. Ah si! Ah bah oui! Oui! Ouais, mais c'est moins bien! L'autre, il est plus près. De chez nous, au moins. Elle est où? Elle est là-haut? Non. De quoi? Non, viens! Je vais te montrer. C'est ici. C'est quand même. Ah oui, je vais pas faire gaffe. Puis en fait, on fait passer la. On fait passer la conveyor belt ici. Et on arrive pile poil où je voulais l'amener. Ok. Juste regarder pour être sûr. On peut construire, trop coûteux, manque foreuse portable. Mais concrètement, on peut. Hop. Vas-y, je construis la. Je construis la foreuse, tu nous fais une fonderie. Cette plaque. Babelbeau. C'est là les plaques. En vrai, là, on est pas mal puisque on laisse tout se cumuler. C'est bien. Hmm. Elle fait de l'autre bout du coup. C'est-à-dire. Par là où tu t'es passé. Ouais bah ouais. Mais là ouais un peu comme ça. Peut-être plus sur la droite. Parce que regarde derrière toi là tu bloques le chemin. Faut vraiment qu'elle puisse passer ici. En fait. Là. Là. Ouais. Et un peu plus proche d'ici. C'est la fonderie là. Fais là on fait. Bah fais là ici. Là. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est le mieux. Parce que du coup. Ah bien, foreuse portable. J'ai perdu le hub, je sais plus où il est, il y a trop de bordel. C'est... Si le premier est plein, je voulais dire. Ah ouais, donc du coup. Marloot, non, c'est l'inverse. C'est en fait ça remplit d'abord le deuxième et ce qui déborde du deuxième reste dans le premier du coup. Attends, avance pas trop avec le machin. Ouais, c'est pour ça que je mets juste la flare à terre. Très bien. Très très bien. Là, il y a un poteau. N'hésite pas à reposer des poteaux hein, des fois. Parce que bon, on peut le. Les combiner qu'à 4 et du coup des fois c'est un peu la merde. Attends, je me permets, je vire ton truc parce que j'aime pas ce que tu fais. Tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, monsieur. Vous pouvez plus. Ah non, c'est moi qui fais n'importe quoi en fait. Attends. Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu veux que je te fasse le constructeur? Quoi? S'en fout. Est-ce que tu veux que je te fasse le constructeur? Quel constructeur? Bah ça dépend. Parce qu'en fait sur cette ligne là on va craft. On va craft quoi déjà on a dit? Des plaques renforcées. Ah oui, on dit qu'on allait faire des plaques. Et qu'on allait utiliser. Ah non, du coup, c'est pas un constructeur qu'il te faut, c'est. Attends, je sais plus ce que j'ai dit que j'allais faire. Enfin, qu'on allait faire. On va faire des plaques, c'est ça? Oui, oui, donc du coup, il nous faut un constructeur qui fait des plaques, un constructeur qui fait. Oh attends, là je suis en train de bugger parce que je crois en fait on va avoir besoin de.
3 constructeurs. Attends. Pour faire des plaques de fer renforcées, il faut des plaques et des vis. Et pour faire des vis, il faut des barres. Ouais, donc en fait, il va nous falloir 3 constructeurs sur cette ligne-là. Si on veut vraiment qu'elle soit hyper efficace, il va nous falloir 3 constructeurs. Un qui fait des plaques, un qui fait des tiges, un qui fait des vis à partir des tiges. Et enfin, un truc qui fait les plaques. T'es chaud? Chaud patate? En moitié là, il y a un espèce de bug. Ah? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que Discord il galère un peu. Ah oui, ouais, ça se peut en Discord. Le soir, il est. Donc je crois qu'on va avoir fini pour les rotors. Saute. Ouais. Donc ouais, faut 3 constructeurs et une assembleuse. Ok, bah je fais le constructeur, hop. Il en faut 3. 3, bon bah je fais... du coup il faut... 3 plaques pour forcer et 2 bobines. Alors, hop. Ça en fait 6, 8, 9. Je me suis trompé, voilà, c'est ça. Ok, je peux te faire tes... Où veux-tu que je te les prête? Alors, ce que je voudrais... C'est que tu t'inspires de ce qui se passe ici. Tu vois. Sauf que. En fait, en gros, on va mettre un truc comme ça là. Ouais, donc du coup, il y a un constructeur. Peut-être ça qui sort. Non. Non. Nous, ce qu'on va faire, c'est. On va faire un séparateur direct après la forge. Ouais. On va faire ici un constructeur qui fait des plaques. Ouais, de l'autre côté un autre qui fait. Un autre qui fait des barres et un autre qui fait des vis avec les barres. Parce que les vis c'est fait avec des barres. Et après on fait un genre de. Une assembleuse comme ça en fait. C'est juste que là au lieu de faire des barres dès le début, ça rame ou c'est moi? Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça rame. Non, ça décolle un peu mais. Non mais c'est donc, sur je vais le... faire un séparateur de convoyeur juste. Ah après oui c'est peut-être Discord. Apparemment il y a. Ouais. C'est Discord qui galère. Ouais. Bon non mais vas-y on se servira pas du truc de gauche. Hop, voilà, c'est parti, on envoie des trucs. Alors, est-ce que j'ai de quoi t'aider à craft ces trucs là? Parce qu'à la limite. Vas-y, on fait un truc, je fais le constructeur qui fait les plaques, et toi tu t'occupes des deux autres qui font les barres et les vis. Ok, hop. Hop, du coup je vais le mettre là. Attends, du coup. Ah non. Non, effectivement, j'ai des grosses chutes de FPS sur... Mais uniquement le stream. C'est très bizarre. Je vais regarder si j'ai pas un truc. Bah non, pourtant j'ai mis la V-Sync. Ou faut l'enlever, je sais pas. Je sais jamais en fait. Je sais qu'il y a un délire avec la V-Sync et le streaming. Mais hier ça marchait pas bien avant que je la mette. Je sais pas. Bon, on verra bien. On empiète pas sur le terrain du voisin. Ouais, ça veut dire que du coup t'as. T'essaies de construire un truc, mais que c'est. Bah que tu vas sur le terrain du voisin, enfin voilà que. Moi j'ai dit que je faisais les tiges. Ouais, tu fais les tiges et les vis. Avec un des deux. Ah oui, mais du coup pour faire les vis il faut des tiges du coup. Tu
me dit. Ouais. Parce que du coup, je les ai pas mis les uns à la suite de l'autre. Quel connard. Ah merde. Parce que là, du coup, j'ai mis qu'est-ce les t'as deux fait l'un après l'autre. Du coup, il faut le troisième à la suite. Ouais. Bah là, par exemple, celui-là, il va pas faire de tige, il va faire des plaques. Et lui, et celui-là, il va faire des faire tiges. Plaques. Voilà, et après, celui-là, à droite, on mettra des vis. Attends. Est-ce que j'ai assez pour faire le dernier? Moi, j'ai assez Alors, pour faire le dernier. Donc, je vais le faire au pire. Par contre, on se bouffe la montagne. Puissance 1000. Faut qu'on dévie un peu. Il va falloir remettre de l'électricité en plein milieu. Ouais, vas-y. Moi, je fais les belts pour. Ah bah non, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est une assembleuse. Alors l'assembleuse, trop coûteux. Ah, il faut cadre modulaire et rotor. Bon, le les poteau, rotors, je vais le mettre juste là. Il y en a là. Il en faut combien? Voilà, il faut des câbles aussi. T'as dessus. Parce que là, du coup, il y en a déjà 4 sur ce poteau là. Ouais, bah là, du coup, va falloir que je pense qu'il va falloir que tu pètes un poteau. Et que tu le dédoubles. Attends, hop. Sinon, là, il y en a un qui a pas de truc, mais ça fait loin. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Tu uploaderas quand sur YouTube? Je sais pas. Allez, on se dit demain, je upload la première partie et peut-être celle-là. Mais c'est de la promesse Ubisoft. Hein. Donc, on reste. Sans DLC, quand même. Il me faut 3 plaques de fer renforcées. Ah, j'ai plus de plaques de fer. Ok. Des petits drops de FPS sur la capture. C'est très bizarre. Du coup, il te faut de quoi faire la sortie avec du coup un assembleur. Ouais, ça tombe niveau FPS. Il me faut, ouais, bah je vais faire l'assembleur là. Enfin, l'assembleuse. En fait. Voilà. Et voilà, après, une fois qu'on a l'assembleuse, on peut soit laisser tout stocker dans l'assembleuse, soit faire un autre. Ah, mais doucement. Bah, pourquoi t'as fait ça comme ça? Oh lolo. Oh le garçon. Plaque de fer renforcée, c'est parti. Normalement. Il n'y a pas de courant du coup. Ah oui, effectivement. Ah puis il n'y a pas de courant là-bas non plus. T'as assez pour encore. Donc ça se fait qu'il n'y a pas de courant ici. Oh mais l'autre il a coupé le courant sur un de mes bâtiments. Ah, bravo. Tu peux y arriver hein. Ah bon? Bah ouais. Il y a un des bâtiments où t'as. Ah oui. C'est bon. Normalement. Tout est rallumé. Ouais. 5 par minute, wow. Je dois y aller, je voulais regarder la fin. Tu pourras me dire quand ce sera dispo. Ouais, bah je te tiens au courant.
Pas de problème. Mais ouais, bon, allez, vas-y. Je le note, je le note. Je upload ça demain. Demain, ce sera sur YouTube. Avec peut-être les pubs. Enfin, les pubs, les pauses. Voilà, je fatigue. Hop, voilà. J'écris avec mon feutre. Qu'est-ce qui se passe? No power. Voilà. Il n'y a plus assez d'électricité, tout est rouge. Il n'y a plus assez d'électricité, tout est rouge. Ouais, de notre côté, sur notre banche, un truc qui ne va pas marcher. Ouais, je crois qu'en fait on consomme encore trop. Je suis un chou. Non, non, un chou c'est un légume. Moi je suis un être humain. Ça ressemble, mais. Attention. Oh, la fatigue. Alors. Je refais un brûleur de biomasse encore. Et toujours. Et vas-y. Oh, mets du. C'est bon, t'as mis du. Oui. Et t'as redémarré. Ah ouais, tu m'étonnes que ça a coupé. J'ai pas vu. Oh bah le graphe il a touché là. Sa proposition à Marla reste valable. Quelle proposition? Bonne nuit à Marlou. Non, à Dark Gir. Bonne nuit. Eh oui, Dark Gir. Hop. Alors. Ça produit 5 par minute. Tellement, tellement. Et ça prend 120 vis par minute. Et ça en produit combien? 90 par minute. Ah et donc en plus. En plus. On est à pas assez. Enfin on est à pas assez de vis. Ah. En fait, il faudrait deux usines de vis. Oh, c'est l'enfer. Ouais, mais du coup, tu les fais comment tes deux usines là? Ah, bah là, on peut pas. Hein. Parce qu'en gros, c'est un premier assemblage. Non. Non. Bah, ce qu'il faudrait, c'est en fait ici, à cet endroit-là, là, entre les deux. Regarde là où je suis. Là, ouais. Faudrait couper. Mettre un constructeur ici qui fait des vis et un autre à côté. Parce qu'en fait, lui, il envoie trop de. Il envoie 15 tiges de fer par minute. Enfin, il consomme 15 tiges de fer par minute et lui, il en envoie 15 par minute. Ouais, non, en fait, du coup. Il faudrait carrément deux trucs. Pff, ouais, non, mais c'est pas grave. On va en faire pas vite. Pour l'instant. Parce que de toute façon, voilà, on va pas tarder. Enfin, moi je vais pas tarder à déco le stream quand même. Voilà, voilà. Donc. 23h23. Waouh! 23h23. Ouais, je. Voilà. Donc, du coup. On a quand même bien avancé hein, ce soir déjà. Hein. On va pas. On avait juste deux petits trucs, là t'en as 50 000 maintenant. Bah ouais, puis là on a le machin spatial là. On a plusieurs lignes qui fabriquent plusieurs trucs, avec des machins qui fabriquent des trucs et des machins qui fabriquent d'autres trucs. Je trouve qu'on est pas mal hein. Je trouve qu'on est pas mal. Yeah, D'ailleurs, est-ce qu'on aurait pas un truc à faire, parce que là ouais on est sur le l'ascenseur là, mais ouais, mais il manque je crois 40 50. On peut pas caler un petit palier entre deux, parce que sinon faudrait qu'on prenne chacun des plaques et qu'on fasse des plaques de fer renforcées. Ça arrivera peut-être plus vite que l'autre qui produit. En vrai je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ouais, parce que là du coup il en manque que 50, ça peut aller vite.
Bah oui. Vas-y, moi je vais faire ça, et hop. Hop, vas-y, je vais en tout début de chaîne. Récupérer ça. On a dit qu'il en fallait 50. C'était l'interlude musique du menu Mi. Retrouver mon album bientôt dans les bacs. En fait, ce qui est galère avec les plaques de fer renforcées, c'est le truc de, il faut faire des vis d'abord. Il faut faire plein. Ouais. Non, faut... Oui. Je sais pas si ça produit beaucoup la solution alternative à la. À la biomasse qui vient après, mais si oui, c'est le bonheur. Il en faut combien là des trucs? 50. 50? T'en as combien toi? J'en avais 8. J'en ai 20. 25. 30. 40, 44. On se dit que c'est bien déjà 44, hein. Ouais, bah du coup t'en as quasiment assez avec les miennes, du coup ça va être bon. Eh ben Du coup j'en écoute. ai 12. Hop. Ah, il s'est raffolé. Bah, ah oui, non, c'est pas les bonnes. Voilà. Il manque plus. C'est bon. Vas-y, Vas-y, je te. appuie. Je te laisse envoyer. C'est rigolo. Tu trouves? Regarde. Ça bug un peu parce que là, je vois d'autres trucs qui... Et puis, au revoir! Au revoir! À bientôt! Moi aussi, je vais faire pareil. Et voilà. Ah, on le voit encore. Donc la prochaine étape, c'est 150 moteurs et 500 cadres. Donc des Attends. trucs encore plus compliqués à fabriquer. Project Assembly Flame Rock. Sachant que maintenant on a débloqué le Pierre, on palier est à 3 et le lui. palier 4. Alors le palier 4. Palier 3, c'est le charbon. Ouais, des tracteurs, une gare routière. Avec les tracteurs. La logistique V2 avec les convoyeurs plus rapides. Production d'acier, donc la foreuse V2 et tout. Ça a l'air tellement bien aussi. Corps à corps amélioré. Pilote Ah, de stylé. convoi. Hein. T'as Et la la vache, ouais. logistique V3. Ouais, le charbon, c'est tout ce qui va être nécessaire, à mon avis, pour les véhicules et tout. Bah puis le générateur à charbon quoi, brûle du charbon afin de générer de l'électricité pour votre réseau électrique. Le scanner charbon. Donc je pense qu'en fait en gros tu peux avoir une mine de charbon qui du coup
génère de l'électricité directe. Parce que toi, tu t'es arrêté à où en solo là? À peu près là. En fait. C'est où t'as fait? Ouais, ça commence à être chiant. Ah non, même pas. J'ai fait mes lignes de production et tout, et j'ai fait oh là là, c'est le bordel. Faudrait que je pète tout. Bon, je vais me coucher. Mais bon. Bon. Bah, du coup, je te propose qu'on s'arrête là. Je vais sauvegarder. Et puis, voilà. Il a tout mis. RAM. Il a tout mis sans sauvegarder, mettre en RAM. Non, t'inquiète pas. Bon, bah des poutous, et puis à bientôt. Oui, et bientôt. Poutous. Voilà. Alors, bah du coup, c'était Satisfactory en multi. Donc c'est quand même fun, hein, mais voilà. Il n'y a pas de truc en plus par rapport au solo d'être en multi. Vous pouvez passer sur un Et autre. voilà, du coup. Là, je suis en donjon, mais faut que je passe une Bah autre. je. Voilà. Donc je vous dis bisous. Et puis à la prochaine. Salut!